Non, alors le truc c'est que quand tu prends des wraps à l'aloumi, il faut vraiment que tu choisisses un peu mieux ta sauce, genre, parce que c'est ça qui est le meilleur, je trouve. Mais s'il faut toi-même faire ton propre sandwich, à quoi ça sert de tout acheter? Essaye de me suivre, Alex. Mais qui c'est quand tu mets toutes ces sauces dedans là et que toi tu le manges et que ça sort par en dessous? C'est trop bon. Non mais d'accord, mais oui, mais tu peux pas le manger dehors. Faut que je vous dise quelque chose. C'est fini avec Thomas. Ouais, je sais. Je sais pas quoi faire. Toutes mes affaires sont chez lui, mais impossible d'y retourner, c'est trop dur. Putain, ma pauvre. Mais quel connard, lui. Il va vraiment le regretter, c'est sûr, hein. Ah oui. Non, mais tu peux pas retourner là-bas, ça craint. Bah ouais, je sais. Mais j'ai pas d'autre endroit où dormir. Tu peux pas te rendre en hôtel? Non, non, je vais y retourner ce soir pour une dernière fois, et puis comme ça, je prends mes affaires et je Boum. Prends... Coucou. Salut. 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 C'est quoi le délire avec le sol, là? C'est-à-dire? Il y avait plus de banc, franchement, on s'est transformé en hippie. Ah ouais, carrément, le sol n'est plus assez bien pour madame. Bah, non, en fait, wow. Avec mon manteau, là, j'apprécie moyen. C'est vrai qu'il est très joli, ton manteau. Merci. Je ne voudrais pas l'abîmer. Voilà. Mais alors, c'est sûr que c'est terminé, que tu vas pas... Ah non, 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 c'est impossible. Ouais, c'est fini, là. Je reste chez lui ce soir, puis après, demain, je prends l'hôtel, j'ai toutes mes affaires. Non, mais attends, tu vas pas retourner chez lui. Ni l'hôtel d'ailleurs, enfin, j'ai de la place chez moi. Ce sera mieux. C'est gentil, mais franchement, t'inquiète pas. Ouais. Mais merci. T'es sûre? Je suis sûre. Je prends pas non pour une réponse. En fait, j'ai de la place chez moi, je suis toute seule, j'ai un grand canapé-lit. C'est trop bête. Puis ça me fera un peu de compagnie, quoi. C'est plus pour moi que pour toi, hein, vraiment. Bah ok, si ça te dérange pas. Hein. Ouais, ça serait bien. Bon bah super, c'est réglé. Merci. Bon, ça vous dit, on va chez moi là? J'ai plutôt envie d'aller au pub, moi, ce soir. Ouais, on se fait un pub. C'est bien installé. Bon, moi, je te ramène. Ok, ouais. Et merci. Peut-être on vous rejoint. Ouais, vous nous rejoignez après, si vous voulez. Ouais. Ok, ça marche. Ça. Ok, cool. Allez, c'est parti. Bonne soirée. À tout de suite. Ciao. Tu vas voir, tu vas être ma reine. Ça va? Hey, salut Chloé. T'as préparé tout ça pour moi? Ouais, j'ai fait ça ce matin, j'avais le temps. Merci. T'as bien dormi? Ouais, ça va. Oh, heureusement que t'étais là hier. J'avais vraiment pas envie de rentrer chez moi. Bon, allez, tu manges. Une grande journée, qui t'attend. Merci, mais fallait vraiment pas t'embêter. Je mange pas beaucoup le matin. Tu passes prendre tes affaires et tu restes quelques nuits chez moi? Oh non, 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 vraiment, t'embête pas. C'était super cool hier, mais je vais me trouver un hôtel. T'inquiète, merci. Ok. Bon. Tu fais comme tu veux. Je laisse les clés sous la porte et t'as mon aide. Merci. Allez, j'y vais. Je suis pas amuse de rentrer, tu répondais pas. Oh, pour les clés, tu t'es comme tu pas. Merci beaucoup. Oh là là. Oh. Ah, t'as ouvert une bouteille, hein? Déjà? Ça a été cette journée? Ça va.
Je nous ai pris un petit truc pour nous détendre. Ça va nous faire du bien, tu vas voir. À tous. Alors, t'as fait quoi? J'ai fait du pet sitting. Hein? Ouais. Et vous avez fait quoi Je vais être KO après. Oh, t'inquiète, plus te montrer comment faire. Tu vois, l'important, c'est d'apprécier le moment. Ça va, vas-y, essaye. Ah ouais, t'as raison, ça te détend grave. Je vais aller m'allonger, ça te dérange pas? Non, non, vas-y. Mets-toi dans ma chambre, ce serait mieux. T'es sûr? Ah ouais. Flemme d'argumenter. Dormir avec les mêmes vêtements, putain. Tu peux dormir sans, hein? Ça me dérange pas. Non, j'aime pas trop ça. Ok, comme tu veux. Ça. Merci. Non, mais c'est pas la peine de te cacher, hein. C'est vraiment belle. Tu trouves? Bah ouais. Thomas ne m'a jamais fait compliment. Mais oui, j'étais sérieuse. T'as des seins magnifiques, toi. Même si t'essaies de les cacher, je les vois. Hein. Ouais, viens dans le lit, j'ai envie de dormir. En tout cas, si j'avais une meuf comme toi, j'en aurais fait ma reine. Bon, allez, bonne nuit.
Hi. Je suis désolée. Tu t'es déjà pris deux cocktails? Il est fort plus tôt. Écoute, j'espère que t'aimes le gin tonic parce qu'il y en a un pour toi. Merci. Hey, Chin. T'étais belle ce matin. Ça t'a apaisé le genre hier. Ouais, c'était cool. Je sais pas si je me ferais ça tous les jours, mais... Ouais. Tu m'as jamais dit pour Thomas? Pourquoi vous êtes plus ensemble? Bah, c'est assez intime comme raison. Je sais pas comment trop l'expliquer. Écoute, tu peux tout me dire, je ne t'en veux. On va dire que vous n'avez pas les mêmes envies et je me suis dit que bah, ça serait mieux que j'arrête la relation avant que ça, bah, ça devienne trop compliqué. En gros, je crois que c'est mieux de se conserver pour la bonne personne et lui pense différemment. Et je te comprends totalement. Tu comprends vraiment? Bah oui. Chacun a son rythme et peut-être que Thomas n'est pas le bon. J'ai un blocage, j'ai l'impression. Je me sens mal dans ma peau. Je pense que j'avais seulement besoin de quelqu'un de plus à l'écoute. Quelqu'un comme toi. Ouais, les mecs savent vraiment pas comment s'y prendre, hein. Je suis là. Merci. Bon, alors on fait quoi ce soir? Bah ce soir on sort. Mais d'abord, il va falloir que tu te changes, parce que c'est ça t'appelles, c'est bien sapé. T'as un cas perdu, là, je crois, ma peau. Je suis désolée, je viens de me réveiller. Ouais, d'accord. Il est une heure, là. Hein. Oui, je sais, mais j'ai mal dormi hier et... Ouais, je sais pas. Je pense à beaucoup de trucs. Mais en fait, je suis jamais allée à Portobello. Là, ça tout de suite. Ah ouais? Oui. Je vais t'acheter un truc d'abord. On va faire du magasin. Ok. Ouais. c'est moi qui paye, t'inquiète. T'es sûre? Non, oui, c'est mon cadeau. Non. En plus, c'est moi qui vais choisir. Salut! Ça va? Ça va et toi? Oh, ça me fait tellement plaisir de vous voir. Salut. Ça va alors le taf? Ouais, ça va. On revient bientôt de toute façon. Ah ouais, ça n'a pas trop changé. Merci. J'adore ta robe. Elle est vraiment belle. Oh, merci. Bleu. Merci. Là. Allez, je porte un toast à Sarah pour nous avoir toutes réunies en l'honneur de Chloé ce soir. Merci Sarah. Merci. Et surtout à la magnifique Chloé. Et n'oublie jamais qu'aucun mec ne te mérite. T'es une fille extraordinaire et un peu de gens m'ont remarqué, mais moi je l'ai eu tout de suite. Merci. Alors t'as parlé à Thomas? Non, bah ça fait 5 jours que je suis ici et bah non. Il est parti en vacances. Ah ok. Ouais, je vous ai pas raconté en parlant de vacances. Je suis partie il y a 2 semaines en France et j'ai fait du saut en parachute. Mais non. Ouais. C'était trop bien. Mais non, ouais. Quelle idée. Moi j'adore ça, j'adore l'adrénaline. Et franchement, ça va, tu devrais le faire. Vraiment, ça fait pas peur. C'est juste non, les premières secondes comme ça, mais. Non, vraiment ça va. Le saut à l'élastique, ça fait beaucoup plus peur parce que t'es obligé de sauter la tête la première, tu fais le saut de l'ange comme ça et c'est. Il a fait du saut à l'élastique.
Ouais, un festival, c'était ouf. J'avais la vue sur la tour Eiffel. C'était quoi le festival? Le festival C'était le festival de Solidays. Tu sais? Cool. Ouais. Ouais, non, c'est franchement, c'est pas... Bah, faut y aller. Ouais. Non, ouais. Ça. Et Thomas, il est maintenant où? Il est parti où? Bah, je sais pas, on se parle pas. Ouais. Ouais. Bref, on va pas parler de Thomas toute la soirée, non? On s'en fout de lui. Hein? Il va se faire foutre. Ouais. Grave. Allez. À la vôtre. Non, mais t'as de ça, là. C'est n'importe quoi. Tu fumes le filtre, maintenant. C'est pas mal hier soir, non? Ouais, c'était sympa. Mmh. Mais tu trouves pas que tu veux pas rentrer dans tes amis, là? Tiens, donne ça. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Bah, attends, ouvre les yeux, Chloé. Ah, ils étaient pas là le jour de ta rupture, personne t'a proposé t'accueillir. Je sais pas, mais bon... Non mais arrête, dis pas n'importe quoi, ça fait des années que je connais ces filles. Bah écoute, tu fais comme tu veux, mais moi je les trouve plutôt toxiques. Attends, je te donne un exemple. Diane. Elle était limite à dire qu'elle était contente que tu sois plus avec Thomas, que en gros elle allait draguer, on t'appelle ça une pote. Qui d'autre? Attends, parce que là il y en a plein. Oh, Clem. Je supprime, on est d'accord. Je la supprime, elle... Ouais, t'as raison. Et puis elle a eu un truc avec Thomas, donc c'est sûr qu'elle va retourner le voir. Ah bah tu vois. Allez. Hop, nettoyer du printemps. Tu viens? On va aller boire un verre. T'as beaucoup bu hier. Bah bonjour déjà. Non mais là je rigole pas là en fait. T'es obligée de boire autant là comme ça? Obligée d'attirer l'attention tout le temps sur toi? Franchement c'est épuisant. Bah je suis désolée si j'ai fait quelque chose qui t'a pas plu. Lave les draps parce que t'as transpiré de ouf et ça pue l'alcool. T'es dégueulasse.
Ah bah salut. Salut. C'est quoi tout ça là? Bah on a dîné à part les chiens, on t'attendait mais t'es jamais arrivée. T'étais où? J'étais chez Max. Ah oui. C'est bien là, t'as fait un effort? De quoi? Ça là, t'as fait un effort, c'est bien. Par contre. Trop sale. Et tu m'as un petit peu foutu la honte avec le mec hier. T'arrivais pas à fumer, sérieux, c'était pitoyable. Drôle en même temps. Enfin bref, j'espère que t'étais pas en train d'essayer de le draguer parce qu'il a pas dû capter. Hein. Tu seras pour la prochaine fois? Sarah, t'es là? Putain, tu m'as fait si peur! Ah, je suis désolée, je suis désolée. J'ai passé 3 jours chez Max. Que tu sais. Oh. Ouais, d'ailleurs, c'est un petit peu bordel, hein. Ouais, je sais. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, c'est bon. T'inquiète. On sort, ce soir? Ouais, mais tu vas pas me laisser après. Non, t'inquiète. J'aimerais bien qu'on passe la soirée ensemble, comme avant. Mais oui, c'est promis. Allez, viens. On va se faire belle. En plus, j'ai une surprise pour toi, tu vois. Tu vas kiffer. Ah ouais, c'est quoi? C'est magnifique. Ouais, franchement, on fait un couple d'enfer là. Pour une vierge, tu sais t'y faire, hein? Pardon? C'était bien avec le serveur? Tu l'as sucé? Non mais t'es folle ou quoi? Ne me traite jamais de folle. C'est clair là ou pas là? Tu peux faire ta pute avec qui tu veux, mais tu pourras pas comme ça. Mais arrête, tu me fais peur. Mais attends. Tu m'as laissé toute seule à la table, t'as pas honte? Je sais même pas comment elle a fait pour te regarder d'ailleurs. Enlève ça, t'es ridicule. Mais Sarah, c'est toi qui as pris le serveur et lui a... Attends, comment? Attends, mais je suis vraiment trop conne de t'avoir laissé rentrer ma vie, là.
T'es vraiment qu'une bouffonne. Comme tes potes là qui te servent toutes de bouche trou. C'est bon, je casse ça, je me souviens. Non, 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 attends, pars pas, Sarah. T'as raison, c'est de ma faute. Je suis désolée. Arrête de pleurer, ça te rend moche. Oh, c'est pour moi? Trop mignonne. Ça va? T'as encore disparu. Tu m'avais dit que tu le referais plus. Ouais, je suis désolée, mais j'avais des trucs à régler. Puis ça fait du bien de se séparer pour mieux se retrouver. Mais pleure pas. Je suis là maintenant. T'oublies pas ma fête d'anniversaire demain. Oui, promis. Acheter ton gâteau préféré. Oh, merci. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Vous êtes trop mignonne. Il est quelle heure? Je pense qu'il est un peu tard là, du coup. Elle est où ta... Super. Bah, elle arrive. On avance. Bah oui, mais bah, elle est là. Sarah? J'y croyais plus. T'es content que tu sois là, mais t'aurais pu arriver un peu avant, non? Salut. 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 Ça va, fille? Je fais des bisous comme ça, toute belle. Pardon. Merci. Super, les gars. Ça va? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma chérie. Joyeux anniversaire. Viens avec moi, j'ai une surprise pour toi. T'es vraiment qu'une sale traînée. J'ai pas vu là, ton petit jeu. T'as voulu me rendre jalouse avec tes potes? Mmh. Hein? Mais t'aimes ça en plus. Là, t'étais pas prête à perdre ta virginité. Peut-être que ce soir, c'est le moment. Là. Oh.
Putain, tu t'es pissé dessus là. T'es vraiment qu'une seule chienne. Va te laver. Oh pardon. Je pouvais pas attendre. Je lui ai pris des tickets pour un concert de ABBA. Non, enfin, c'est pas vraiment ABBA, c'est des drag queens en fait. Et, mais ça trop bien, c'est trop drôle. J'adore. Super. J'ai trop hâte. Et elle est où là, du coup? Bah là, elle est en train de se remaquiller ou un truc du genre. Ok. On attend ou on commence le gâteau? Bah, on a qu'à commencer. Ah bah enfin, on n'attendait plus que toi pour manger le gâteau. Ça va ou... T'as raison. La différence est déjà assez grosse comme ça. Va bien? Oui, moi je pense qu'elle a un petit peu trop bu. Je suis désolée, mais je crois que je vais devoir vous mettre dehors. C'était vraiment sympa à vous de venir. Puis on se voit la semaine prochaine. Il faut vraiment que j'aille m'occuper d'elle. Ok. Okay. À plus tard. Ouais, ça... Tu fais quoi là? Non mais assieds-toi là. Non, ça suffit maintenant. J'en peux plus de ces vertèbres, de ce... Putain, j'en peux plus de ce service. T'as pas le droit de me traiter comme ça. Jamais personne ne m'a traité comme ça. Non, mais t'as fait pas un câble, là. C'est jamais personne ne t'a aimé. Arrête, arrête avec ta voix douce. J'ai même plus de toi. Je vais dormir chez Alex. Tu sais bien t'y prendre pour une vierge. Elle est pas mal, celle-là. Qu'est-ce que t'as fait? Regarde. Non, mais... Bon, la culotte de grand-mère, c'est pas ouf. Je l'envoie à qui? À ton père? Non, mais... Ou à quand t'es? Ou à Thomas? Non, mais... Non, mais t'es complètement folle! Non, mais c'est toi la folle, là. Non. C'est pas moi sur les photos. Non. C'est toi. Mais tu te calmes. Respire. Assieds-toi. Oh, putain. Oh, non. Oh, non. Oh, putain. Franchement, t'es souple, hein, pour une vierge, hein. On refait ça ce soir? J'ai des sous-vêtements à te passer, je pense que ce sera beaucoup mieux. Salut ma puce, j'espère que t'as bien dormi. Thank you.
Thank you.